allez bien? Je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau retour de course que j'ai fait à Super U. Vous allez voir, j'ai fait vraiment des toutes petites courses, simplement car je ne vous cache pas que la semaine dernière, j'ai fait quand même des courses un peu conséquentes. J'ai un frigo et un congélateur qui est plein. J'aimerais faire mes menus en fonction de ce que j'ai dans mon frigo. Donc je vous montre tout de suite ce que j'ai acheté pour cette semaine. Alors, niveau frais, j'ai pris des œufs parvins, voilà, des œufs frais élevés en plein air. Des liégeois au chocolat et j'ai pris par 12 pots, voilà, ça se présente comme ceci. Pour mes petites bouches, j'ai fait le plein de pâtes patrouille, j'en ai pris 2 paquets. J'ai pris des desserts, la laitière, des clafoutis aux pommes façon tatin, donc il y en a 4 à l'intérieur. Et dans le même genre, j'ai pris clafoutis aux cerises, pareil, il y en a 4. J'ai pris ce genre de petites choses, donc j'ai pris riz à la forestière avec du poulet rôti. Et blé à la provençale avec des boulettes de bœuf. Alors je poursuis avec les fruits et les légumes. Donc en légumes, j'ai pris des pommes de terre comme ceci à faire au four, en purée ou en potage. Et en fruits, j'ai pris des bananes que je ne trouve pas forcément très jolies, mais bon voilà. Comme on ne choisit pas au drive, ils nous donnent ce qui leur tombe sous la main. Alors niveau épicerie sucrée salée, je ne vous cache pas que j'ai pris pas grand chose non plus. J'ai pris un cassoulet comme ceci et des spaghettis à la bolognaise. Je sais que vous allez vous demander pourquoi je prends des choses cuisinées comme ceci. C'est pour mon mari dans son camion. J'ai pris de la purée, elle est très bonne celle-ci, donc franchement ça sauve la mise quand on ne sait pas trop quoi faire. Des haricots verts, parce qu'ils étaient en promotion, j'ai pris ceux-là, mais je les ai trouvés quand même chers selon en fonction de la promotion. Enfin, je les ai trouvés chers par rapport à la promotion qu'ils proposaient. Là aussi, il y avait une promo sur le pain de mie et j'en ai pris 2 parce que vous en achetiez un, le deuxième était à moins 60. Et ensuite, j'ai surtout pris des goûters. Donc, j'ai pris des barres céréales comme ceci, chocolat au lait, noisette, riz soufflé et chocolat. Chocolat 5 céréales et c'est un format familial, donc il y en a 10 à l'intérieur. Des napolitains à la framboise. Des moelleux coco fourrés au lait. Des petits cakes aux abricots. Des petits cakes à la fraise et enfin des petits brownies pépites au chocolat et chocolat, enfin tout chocolat. Alors je continue avec les boissons, c'est peut-être ce que j'ai pris le plus. Donc d'abord j'ai pris des despé rouges comme ceci, comme dans chacun de mes retours de course, les despé reviennent. J'ai pris du jus de fruits rouges. J'aime toujours avoir un petit peu de réserve dans le frigo. J'ai pris fruits du verger et j'en ai pris 2 comme ceci. Celui-ci est très apprécié, ça fait très longtemps que j'en ai pas pris. Une petite bouteille de jus de fruits saveur tropicale.
En boisson pétillante, j'ai pris du soda orange comme ceci, l'équivalent du Fanta. J'ai pris du 7-Up saveur Mojito. Et j'ai pris deux bouteilles de Pepsi. Voilà. Alors, en produits d'hygiène corporelle et ménager, j'ai pris des tablettes pour le lave-vaisselle. Je n'en avais plus et c'est vrai qu'à Super U, j'aime beaucoup celle-ci. Voilà, après niveau tarif, ça se tient. Donc, c'est peut-être même les moins chers que j'ai trouvé, mais je les aime beaucoup. Et niveau produits d'hygiène corporelle, j'ai pris du gel comme ceci. Et du dentifrice comme ceci. Vous savez que celui-là, je l'aime bien. C'est souvent que je le prends. Il est pratique. Et puis, quand on doit partir en mallette et tout ça, il se casse moins ou il se perce pas. Alors, pour ce retour de course, j'en ai eu pour 88,99€. Et j'ai eu exactement 1,01€ de réduction immédiate. Ce qui m'a valu de payer 87,98€. Voilà, autant dire que c'est des toutes petites courses. Il faut aussi savoir que j'avais commandé du lait en grosse quantité par 10 je crois qu'ils étaient, et si on en achetait un lot, le deuxième était à moins 50%, ça a valé vraiment le coup. Je l'ai pas eu dans mes courses, et c'est ce que je reproche à Super U, c'est que quand ils n'ont pas les produits, vous n'êtes pas averti. Donc heureusement que j'ai une petite réserve quand même, et que j'ai pu que je peux attendre peut-être ce week-end pour aller chercher du lait. Comme je vous ai dit précédemment, je veux faire mes menus en fonction de ce que j'ai dans mon frigo. Donc je vous montre tout de suite le menu de cette semaine. Et oui, vous commencez à me connaître, vous savez donc que ma vidéo est maintenant terminée, que j'espère qu'elle vous a plu, que vous vous êtes abonné et que vous avez laissé un petit commentaire en dessous, et surtout que vous m'avez mis un petit pouce bleu. En tout cas, moi j'espère vraiment que ma vidéo vous a plu, et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ma vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un like. Et si l'envie t'enchante, rejoins-moi sur mon compte Insta ou TikTok à Céline tout simplement.